Oui, mais ça, pour l'instant, Les c'est de la chiffres fiction. aujourd'hui ne le permettent pas et un certain nombre de décisions seront prises cette semaine. Il faut laisser sa chance au couvre-feu, ce qui a été dit. C'est ce que vous préféreriez, le couvre-feu, c'est moins pire, excusez-moi l'expression, que le reconfinement. C'est évidemment. Évidemment, si c'est une préférence qu'on doit exprimer, mais en la matière, il ne s'agit pas de préférence. Il s'agit d'adaptation à une situation et de prise C'est-à-dire de que parfois, il n'y décision. aura pas le choix. De prise de décision en fonction des priorités qui ont été fixées. La priorité des priorités, c'est la santé des Français. L'État a dépensé des milliards depuis un an. À un moment, est-ce qu'il y a un risque de voir les caisses vides et l'impossibilité pour l'État d'aider les Français ou les entreprises comme elle le fait, Nous comme il le fait depuis? avons toujours dit, et depuis presque un an, vous l'avez rappelé, que nous serons aux côtés des Français et des entreprises aussi longtemps qu'il le faudra. Nous avons la chance de pouvoir tenir le coup dans une crise telle qu'on la connaît, Mais de jusqu'à quand? maintenir un Mais niveau jusqu'à quand? d'aide extrêmement favorable Jusqu'à quand je vous pose la et question? Parce que extrêmement beaucoup de Français protecteur. se disent, mais est-ce qu'on va pouvoir dépenser de l'argent comme ça, si ça doit durer 3 ans, 4 ans, 5 ans? Personne ne le souhaite et évidemment, nous Mais souhaitons on a les que. moyens en France de le faire. Nous souhaitons que les pro je vais y venir, mais nous souhaitons que les progrès, et notamment la campagne de vaccination, nous permettent de ne pas avoir D'accord. une crise qui dure aussi longtemps que vous l'avez indiqué. Mais est-ce qu'on a les moyens en France de tenir plusieurs années? Aujourd'hui, nous sommes en capacité d'emprunter dans des conditions qui sont extrêmement favorables. Parce qu'évidemment, les aides que nous mettons à disposition des Français, lorsque nous consacrons des dizaines de milliards d'euros au soutien à l'économie ou au soutien à l'activité partielle, cela représente un coût et cela représente un accroissement de la dette. Il faut toujours avoir en tête le fait que ces aides et ces dispositifs, aussi coûteux soient-ils et aussi efficaces soient-ils, l'un ne va pas sans l'autre, sont des dettes à venir. Et donc ces dettes devront être remboursées dans un horizon plus ou moins Mais je lointain. reviens à mes questions et on va terminer là-dessus. Si ça doit durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, la France a les moyens de faire Je face. ne me place pas dans ce scénario-là, mais Non, mais nous imaginons. avons dit. Non, mais il n'y a pas de. Nous ne sommes pas dans l'imagination, nous sommes dans Non, mais l'adaptation. est-ce que la France a les... Mais. Non, mais ma question, elle est simple. Est-ce que la France a les moyens de tenir plusieurs années? Ce que je vous dis et ce que je vous répète, c'est que parce que nous avons rétabli les comptes publics, parce que nous avons maîtrisé la dépense publique et diminué son poids dans le PIB, parce que nous avons pendant 3 ans été le premier gouvernement à tenir des objectifs, notamment la barre des 3%, nous avons la confiance des marchés, nous sommes en capacité d'emprunter. La confiance des marchés, ça n'est pas un acquis éternel. Nous le savons, c'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement vigilants, au-delà des mesures d'urgence et au-delà du plan de relance, à ce que nous puissions maîtriser le reste des dépenses, les politiques qu'on qualifie aujourd'hui d'ordinaires, mais qui n'ont rien d'ordinaire. Il s'agit de financer des priorités sur les ministères régaliens, sur la transition écologique ou encore l'éducation. Nous arrivons à faire face et à tenir avec un objectif qui est que cette année 2021, et c'est un objectif, je crois, partagé par tous, soit par la campagne de vaccination, par les progrès, l'année qui nous permette de voir le bout du tunnel. Alors, on va reparler de tout ça avec mes consoeurs qui sont avec moi ce soir. Tam Tranui de Public Sénat, bonsoir Tam. Bonsoir Francis. Et bonsoir Brigitte Boucher de Bonsoir Francis. LCP. Merci d'être sur ce Bonsoir plateau Olivier comme tous les Dussopt. lundis. C'est un plaisir de vous accueillir et c'est vous Brigitte qui commencez. Oui, il y a quelques jours, Olivier Dussopt, vous avez déclaré au journal Les Échos que le quoi qu'il en coûte devait se terminer en 2021. Est-ce que vous n'avez pas parlé trop vite? Je ne crois pas, et j'ai dit, puisque vous avez lu la phrase en entier, que si l'année 2021 est l'année de la sortie de crise, ça doit aussi être l'année de la fin du quoi qu'il en coûte. Car je disais à l'instant, nous accompagnons les entreprises et les Français à un niveau qui n'a jamais été atteint, qui n'avait même jamais été envisagé. Nous le ferons tant que ça sera nécessaire. Mais dès Sauf que lors que nous l'épidémie, verrons. elle court. Et quand vous avez déclaré ça, il y avait déjà Mais, à peu près 20 000 contaminations dès par lors que nous jour. verrons le bout du tunnel, et dès lors que nous verrons la sortie de crise, nous devrons revenir à une trajectoire plus soutenable. La question qui était posée tout à l'heure est pertinente. Est-ce qu'un État, la France ou un autre, a les moyens d'engager 5, 7, 10 milliards d'euros par mois de mesures d'urgence, de mesures de soutien à l'économie, en plus de ses dépenses ordinaires? À terme, la réponse est non. Donc nous devons préparer la suite. Nous devons Sauf préparer que, la Brigitte, sortie. vous disiez, quand vous avez Nous déclaré devons. ça, il y avait 20 000 nouveaux cas par jour. Est-ce que c'était le bon On ne moment voit de pas faire du tout ça? le Non, bout parce du que nous tunnel sommes de dans. l'épidémie. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une crise que nous ne devons pas commencer à préparer la suite. Et s'il y a un nombre de cas qui est important, il y a aussi un phénomène nouveau depuis maintenant quelques semaines, qui est la possibilité d'ouvrir une campagne de vaccination, avec aujourd'hui plus d'1 million de Français qui ont été vaccinés, et avec la perspective d'avancer dans cette Est-ce campagne de qu'en disant vaccination. cela, finalement, vous ne préparez pas un peu les esprits au fait que l'État sera demain, après-demain, un peu moins généreux? C'est préparer les esprits à ce que les dispositifs de crise que nous avons mis en place soient, aient vocation, pardon, à s'éteindre au fur et à mesure que la crise épidémique s'éteindra. Il ne s'agit pas d'un arrêt brutal des dispositifs d'aide. Ça serait inconscient, ça serait suicidaire. Il s'agit de prévoir la suite et de dire que le niveau de dépenses publiques que nous engageons parce qu'il y a une crise ne doit Et pas c'est être en le niveau fonction de du nombre de dépenses publiques contaminations, c'est en de fonction de demain. quoi que vous C'est en basez? fonction de la sortie de crise et de la fin de la pandémie avec un retour à la vie économique normale.
Et pas pour demain probablement. Tam. Oui, pour revenir sur le confinement, de quoi va dépendre l'arbitrage? Est-ce que ça va dépendre aujourd'hui avant tout de critères économiques? Vous connaissez les critères qui ont été retenus. Ils ont été expliqués à plusieurs reprises par le président de la République. La priorité des priorités, c'est la santé des Français et la capacité du système hospitalier à faire face. Donc aucunement aussi, les critères économiques. Mais vous l'avez dit, aujourd'hui, ça a vraiment un coût, cette crise sanitaire, et le confinement, c'est un coût. Et vous avez pu noter, comme moi, que le confinement du mois de novembre n'avait pas été organisé de la même manière que le confinement du mois de mars. Au fur et à mesure des confinements, au fur et à mesure de cette épidémie, malheureusement, nous apprenons aussi. Je prends une illustration qui reste purement dans le champ économique. Lorsque la décision a été prise de confiner au mois d'avril, avec la fermeture des établissements scolaires, avec la fermeture, y compris d'un certain nombre de commerces de gros qui ont pu rester ouverts au mois de novembre. Ou d'entreprises. Nous avons, ou d'entreprises, y compris d'ailleurs parce qu'il y avait une crainte et des difficultés, y compris en termes de protection, que nous avons appris à surmonter par la suite. Parce qu'il n'y avait pas de masque à l'époque. Par contre, nous avons vu la baisse d'activité, une baisse d'activité à hauteur de 30%. Au mois de novembre, avec un confinement, mais accompagné d'un maintien, notamment des établissements scolaires et des écoles ouvertes, la baisse d'activité a été de 12%. C'est sans commune mesure. Donc on y réverse cela plutôt. Et cette différence entre 30 et 12% explique aussi des niveaux d'engagement financier qui sont très différents, puisque lorsque l'activité baisse de 30%, évidemment, les mesures d'urgence coûtent beaucoup plus que lorsqu'elles ne baissent que de 12%, je mets des guillemets à queue, et dans le même temps, les recettes fiscales et sociales de la collectivité, de l'État, sont plus élevées, en tout cas sont moins dégradées, quand on ne perd que 12% plutôt que 30%. Et par exemple, un confinement avec des magasins ouverts, mais qui fonctionneraient sur rendez-vous comme le réclame le MEDEF, est-ce que ça peut être une possibilité pour encore réduire le coût du confinement? Vous savez, les questions, pardonnez-moi, mais les décisions sont prises avec des intervalles réguliers. Il est annoncé, c'est de notoriété publique, que mercredi matin, un conseil de défense se tiendra. Et le point, les décisions seront prises mercredi matin. Chaque acteur économique, vous avez cité le MEDEF, est évidemment libre de faire des propositions. La responsabilité qui est la mienne ce soir sur votre plateau, mais qui est celle des membres du gouvernement, est de ne pas ajouter de la confusion aux propositions. Sauf et donc, faisons les choses dans l'ordre. Vous avez dit quelque chose, le président c'est mercredi de la République a dit qu'il prendrait ses décisions à intervalles réguliers. Il y a un conseil de défense qui est pris mercredi. Est-ce qu'on donc le président de la République interviendra mercredi soir? Mais je ne sais pas, et ce n'est pas à moi de fixer l'agenda du président. Non, mais vous auriez pu le savoir, c'est ça. Juste un mot, parce que ça fait partie peut-être des défauts de cette période. Et il y a des intervalles, et il y a des décisions qui sont prises à intervalles réguliers. Il y a des instances, il y a des avis médicaux qui sont rendus. Et il y a des décisions qui sont annoncées, qui sont assumées, soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le ministre de la Santé, et donc par tout le gouvernement. Laissons à ces décisions le temps d'être prises. Oui. Ne me demandez pas ce soir d'anticiper sur des décisions. Non, j'anticipe pas, mais vous dites mercredi, donc on se dit, tiens, dans la foulée, le président de la République va intervenir. J'ai la conviction que si j'anticipais, vous seriez parmi les premiers à pointer la confusion ou la cacophonie. Et donc, faudrait nous laisser un peu de temps, peut-être demain. C'est ce qu'il faut éviter. Peut-être demain. Justement, on ne parle pas pour le coup de quelque chose qu'on anticipe. Ça fait maintenant 15 jours qu'on est en couvre-feu à 18h pour l'ensemble de la France. Combien ça a coûté? Il est encore trop tôt pour le savoir, et si vous me permettez, je vais vous dire pourquoi. Nous payons, nous réglons le fonds de solidarité, les allocations pour le chômage partiel, lorsque les périodes ont été constatées. Par exemple, courant décembre, nous avons réglé le fonds de solidarité aux entreprises qui étaient fermées ou qui ont perdu beaucoup d'activité au mois de novembre. Actuellement, nous sommes en train d'enregistrer les demandes et de régler les demandes de fonds de solidarité pour le mois de décembre. Et donc, c'est combien, dans un mois que nous aurons à connaître des effets du couvre-feu sur l'économie. Pour vous donner des chiffres très clairement, au mois de novembre, c'est une période de couvre-feu avec maintien des écoles, le fonds de solidarité a permis d'accompagner presque 850 000 entreprises pour un peu moins de 4 milliards d'euros. À l'heure où nous parlons, les demandes de fonds de solidarité pour le mois de décembre sont encore ouvertes. Donc les chiffres ne sont pas définitifs. Et ce sera plutôt moins ou plutôt plus? C'est a priori un peu moins, puisque le mois de décembre n'était pas un mois de couvre-feu, n'était pas un mois de confinement, mais un mois de couvre-feu. À la fin de la semaine dernière, nous étions autour de 360 000 demandes enregistrées. Oui, c'est mais moins. Il reste encore du temps. Mais c'est quand même moins, c'est quand même une baisse remarquable. 360 000 en quelques jours, alors que les 820 000 couvraient tout un mois. Ah oui, c'est donc vrai. Il faut laisser du c'est temps aussi aux chefs d'entreprise pour demander le fonds de solidarité. Brigitte. Oui, Bruno Le Maire a indiqué qu'il restait 20 milliards d'euros dans les caisses de l'État qui n'ont pas été dépensés pour faire face à la crise sanitaire en 2020. Est-ce que ça permet de tenir et combien de temps finalement? Oui, il y a 20 milliards d'euros sur les mesures d'urgence que nous avions proposées au Parlement d'adopter, qui avaient été adoptées, qui n'ont pas été consommées, notamment parce qu'il n'y a pas eu de confinement au mois de décembre et parce que l'activité a moins baissé que ce que nous craignions.
Et donc, ces 20 milliards d'euros ont été reportés. Ça veut dire que vous pouvez faire face à un nouveau confinement ? Juste pour compléter, le Parlement a aussi adopté des amendements du gouvernement lors de la nouvelle lecture de la loi de finances pour ajouter presque 6 milliards d'euros sur la ligne du Fonds de solidarité et pour mobiliser les crédits consacrés à l'activité partielle de longue durée. Et donc, les 20 milliards non consommés et les crédits votés par les parlementaires nous permettent de disposer d'une trentaine de milliards d'euros pour financer les mesures d'urgence. Il faut préciser, parce que c'est aussi à cela que nous devons être extrêmement attentifs, que sur cette trentaine de milliards d'euros, nous avons à régler le fonds de solidarité ou l'activité partielle du mois de décembre que nous sommes en train de régler actuellement, donc courant 2021. Cela signifie que, à situation sanitaire inchangée, nous pouvons tenir entre 3 et 6 mois selon la baisse d'activité que nous enregistrerons. Évidemment, si des décisions plus strictes, plus sévères en matière sanitaire devaient être prises, et sans préjugés, il y aurait un coût plus important que si nous restions dans des conditions telles que nous les connaissons aujourd'hui. Donc nous avons un objectif, nous avons un point d'attention, et nous l'avons toujours observé, nous l'avons toujours respecté depuis le début de cette crise, c'est de toujours faire en sorte que nous ne manquions pas de crédit pour payer les mesures d'urgence. Je prends là aussi un exemple. Lorsque nous avons pris la décision de confiner au mois de novembre, nous avons proposé aux parlementaires une loi de finances rectificative numéro 4 et nous avons inscrit beaucoup de crédits pour répondre à l'urgence. Mmh. Certains nous disaient, est-ce que ça n'est pas trop ? Et finalement, il s'avérait que c'était peut-être... Il y a eu justement 4 ces 20 milliards qui n'étaient budget pas... budget rectificatif en 2020. Mais est-ce qu'on va nécessairement vers au moins... Le pire aurait été de manquer un... de crédit. Ouais. Je préfère que nous soyons trop prudents. Je préfère que nous soyons précautionneux, prévoyants, mais que nous ne manquions pas de crédit. Donc vous ne manquez pas de crédit, mais est-ce qu'on sera au moins obligé de faire au moins un budget rectificatif en 2021, puisque vous dites qu'on peut tenir 3 à 6 mois. Laissons voir les choses. Nous nous adapterons aussi souvent que nécessaire et aussi fortement que nécessaire pour répondre aux besoins et faire face à la crise. Alors le déficit, on le connaît, 178 milliards en 2020. Uniquement pour l'État. Pour l'État, et une dette qui atteint 120% du PIB, de la richesse nationale. Vous imaginez pouvoir la rembourser un jour ? Oui, mais peut-être une précision, si vous me permettez. Le déficit que vous avez évoqué de 178 milliards d'euros pour l'État... Inédit. Un déficit inédit. Nous avions un déficit prévisionnel à 93 milliards d'euros et nous finissons à 178 parce que nous avons d'abord perdu les recettes. Nous avons vu les recettes d'impôts sur les sociétés, de TVA, de TICPE baisser puisqu'elles sont indexées sur le niveau de l'activité et nous connaissons une récession qui est supérieure à 10%. Et par ailleurs, nous avons engagé des dépenses à hauteur de plus de 23 milliards d'euros pour l'activité partielle, plus de 13 milliards d'euros pour le fonds de solidarité ou encore 4 milliards d'euros pour les exonérations. Est-ce que vous imaginez pouvoir rembourser un jour la dette à hauteur de 120% n'est pas la dette que de l'État. C'est la dette publique dans son ensemble et donc cela couvre aussi d'autres secteurs que l'État dans le champ de la dette. Nous partons d'un principe extrêmement simple. Comment on rembourse c'est incroyable, 120% du PIB, plus 20% en un an. Plus 20% en un an lié à la crise. Nous étions à 100%, nous étions précédemment à 95%. Ce sont des montants qui sont importants. Et je pars d'un principe extrêmement simple, pardonnez-moi de faire aussi simple, mais une dette, ça se rembourse. Ça se rembourse d'abord parce que si vous empruntez et que vous avez besoin d'emprunter, si vous commencez par expliquer à celui qui vous prête, ou en tout cas à celui dont vous voulez qu'il vous prête, vous n'allez pas le rembourser, il est peu probable qu'il vous fasse confiance. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, je le disais tout à l'heure, qui nous permet d'emprunter dans des conditions extrêmement favorables, à condition de garder le crédit et la confiance des marchés. Par contre, pour la dette, nous aurons à la rembourser. Là où nous devons réfléchir, et c'est un des objets de la commission présidée par Jean-Jacques Arthuis, c'est le rythme, la question du cantonnement, les modalités de remboursement de cette dette, notamment dans le temps, pour faire en sorte que ce soit soutenable. Tam. Il y a aussi une possibilité, c'est l'effacement de la dette Covid, une possibilité qui a été évoquée par un certain nombre d'économistes. Si vous avez une ardoise magique, je suis preneur. Une ardoise ou une éponge magique, ça n'existe pas. Vous pensez que ce n'est pas possible ? Ça n'existe pas. Et si sauf si c'est une décision politique. Les États peuvent se mettre d'accord, on ne peut pas imaginer que la BCE le fasse. Voilà, il faudrait. Et visiblement, à vous écouter, ça serait simple, modifier les traités européens et modifier le fonctionnement de la BCE. Je ne suis pas sûr que beaucoup d'États nous accompagnent si nous devions prendre cette pente-là. Et je crois même tout le contraire. Vous pensez que ce n'est pas crédible et donc, je pense que ça n'est pas crédible. Donc, vous dites que ça, ce n'est pas possible. Alors, on a parlé de la façon de rembourser la dette. Vous dites que les impôts n'augmenteront pas, ça ne passera pas par les impôts. C'est ce que nous avons voulu, c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous ferons. Nous sommes le gouvernement qui baisse les impôts. À la fin de l'année 2021, lorsque la loi de finances aura été appliquée, les impôts auront baissé en France au total depuis le début du quinquennat de 45 milliards d'euros, la moitié pour les entreprises
en comptant le plan de relance et la baisse des impôts de production, la moitié pour les ménages, et en concentrant l'effort sur 80% des Français qui payent la taxe d'habitation ou les deux premières tranches de l'impôt sur le revenu que nous avons baissé de 5 milliards d'euros. Notre conviction est qu'on ne sort pas d'une crise en augmentant les impôts. Et donc, nous restons sur cette trajectoire pour susciter de la croissance et de la croissance tirer des recettes pour rembourser la dette. La seule croissance, vous le pensez, va permettre de rembourser la dette ou y a-t-il d'autres pistes ? Si nous prenons le temps de le faire, ça sera un appui fondamental. Nous devrons aussi, évidemment, préparer un certain nombre de réformes, être précautionneux. Lesquelles ? Et éviter des dépenses inutiles. Laquelle en priorité ? Tout le monde pense évidemment à la réforme des retraites. Oui. Mais il y en a d'autres. Il y a énormément d'autres dépenses. C'est une mauvaise idée, la réforme des retraites ? Réformes qui sont importantes. Mais par exemple, quelles autres ? Réformes comme tout ce qui relève de la contemporanisation des impôts sur le. C'est-à-dire que les impôts au jour le jour, quasiment. Ce qui existe avec le prélèvement à la source et qui peut s'appliquer aussi au calcul des prestations pour avoir la justice et la justesse dans le calcul des prestations. Comme les APL, un peu. Notamment, comme les APL, par exemple. Je pense notamment au portail unique de recouvrement. Je pense à des. C'est-à-dire que, par exemple, on paierait. Non, mais pour qu'on comprenne, parce que c'est un peu technique, on paierait les impôts locaux sur le revenu, etc., au même endroit. Non, enfin, ça, c'est. C'est quand ça on parle de portail unique de recouvrement, on parle d'abord et avant tout. On pense d'abord et avant tout aux entreprises pour URSSAF et impôts. D'accord. Ah, donc, plutôt que d'avoir plusieurs organismes, ce serait un seul et même organisme. C'est un projet que nous préparons pour l'année prochaine. Brigitte. Alors, faisons un petit bilan. On est maintenant à 14 mois de la présidentielle. Emmanuel Macron s'était engagé à supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, 50 000 dans la fonction publique d'État. On en est à 10 000 postes supprimés, sauf erreur de ma part. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir mené cette réforme à son terme ? Non, parce que les circonstances et les conditions sont extrêmement différentes. Lorsque Emmanuel Macron, président de la République... Vous auriez pu les faire avant la crise sanitaire. Lorsque Emmanuel Macron, président de la République, après 2018 et après le mouvement des Gilets jaunes, organise le grand débat et que parmi les conclusions du grand débat, il ressort, ce qui est assez logique, un attachement à l'école, notamment en milieu rural, et qu'il prend l'engagement de ne pas fermer d'école sans l'accord des élus. Lorsqu'il prend l'engagement de ne pas supprimer et de ne fermer aucun établissement de santé. Cela a des conséquences en termes soit de non-suppression, soit de création de postes. Lorsque nous menons des réformes, attendu. Je pense notamment à la loi de programmation de la justice et au déploiement de la justice de proximité. Cela nécessite aussi de créer un certain nombre de postes et nous avons fait en sorte de rattraper l'exécution de la loi de programmation en matière de justice et d'aller même au-delà avec une augmentation de budget que nous n'avons jamais connue. Lorsque, et c'est la crise qui nous amène à ce chiffre, nous sommes amenés cette année, en 2020, pardon, à créer 2800 postes, à ouvrir 2800 postes au sein de Pôle emploi, ou à créer 400 postes dans les administrations régionales de santé. C'est aussi des réponses à la crise. Mais c'est que la crise. C'est que la crise. Enfin, je veux dire, les 120 000, c'était peut-être une promesse un peu en l'air, non ? Sur les 120 000, il y en avait 50 000 pour l'État, 60 000 pour les collectivités. Et donc, je reste sur le champ de l'État, où vous évoquez à peu près 10 000 postes. Les collectivités ont supprimé plus de postes, en maîtrisant leurs dépenses de fonctionnement notamment. Et nous avons fait face à un certain nombre, soit de difficultés, voire de crises, soit à des priorités. Je prends un autre exemple. Jean-Michel Blanquer a mis en place, et cela a été salué par tout le monde, un plan de développement et d'encouragement pour les BTS. Mais pour aller plus loin en matière de BTS et d'accès aux BTS, il fallait là aussi créer 900 postes, une fois 450 en 2020, une fois 450 en 2021. Donc à l'arrivée, il y aura eu plus de postes créés que de postes supprimés. Non, à la fin du quinquennat, il y aura un solde légèrement négatif, puisque un certain nombre de postes ont été supprimés sur les premières années, que d'autres ministères font encore aujourd'hui des efforts, celui que je représente en particulier, pour faire en sorte qu'en 2021, puisque c'est ce qui a été voté dans la loi de finances, pour l'année 2021, l'équilibre entre création et suppression soit parfaitement à l'égal. Brigitte. Alors on en a parlé tout à l'heure, mais le gouvernement a débloqué des prêts garantis pour l'État, pour les entreprises. Beaucoup sont sous perfusion, ces entreprises, et ne pourront pas rembourser. Est-ce que vous avez estimé la proportion de celles qui ne pourront pas justement rembourser ces prêts et le manque à gagner pour l'État ? La loi de finances estime que ce qu'on appelle le taux de sinistralité pourrait être de 5 ou 6%. Aujourd'hui, nous avons 130 milliards de prêts garantis par l'État, qui sont garantis à hauteur de 90% par l'État. Et donc, nous arrivons sur plusieurs années, puisqu'il ne s'agit pas de défaillances qui seraient toutes immédiates et à la même période, autour de 5 à 6 milliards. C'est ce que nous avons inscrit dans les documents budgétaires. Mais le prêt garanti par l'État est un outil qui est un outil efficace. Il permet aux entreprises... Vous pensez que tout le monde pourra rembourser ? Vous pensez que tout le monde pourra rembourser ? 5 à 6 milliards de manque à gagner. Je n'ai pas dit tout le monde, j'ai dit qu'il y aurait un taux de sinistralité. Je note que cette année, pour l'année 2020, pardonnez-moi les quelques jours d'éclat. Non, mais vous inquiétez pas. Cette année, nous avons eu, et c'est un des effets des dispositifs que nous avons mis en place, 30 à 40% de faillites
en moins que les années précédentes. Ce qui est très contre-intuitif. Nous vivons une année de crise sanitaire, de rétraction et de crise économique. Nous avons moins de faillite. Parce que c'est perfusion. Parce qu'il y a des dispositifs d'aide et donc il faut aussi penser à la sortie de ces dispositifs pour voir comment on les accompagne et faire en sorte d'être le plus présent possible. Mais les prêts garantis par l'État, pour y revenir, c'est un outil qui est extrêmement efficace parce qu'il permet aux entreprises d'avoir de la trésorerie. Et nous avons obtenu à la fois l'étalement, le fait d'encadrer les taux pour les petites et les moyennes entreprises, et le fait aussi de pouvoir différer la première échéance sans que ça dégrade la note en Banque de France, ce qui est un engagement majeur du système bancaire. Tam. Oui, on va terminer avec la bataille des vaccins, avec l'Institut Pasteur qui abandonne, le laboratoire français Sanofi mais qui est à la traîne. Ils ont beaucoup reçu d'argent public, ces laboratoires. L'État doit-il continuer à donner de l'argent alors qu'il n'y a pas ces résultats en termes de recherche? L'argent qui est versé notamment par l'État. Notamment le crédit impôt recherche et puis ensuite d'autres aides. Le crédit impôt recherche qui représente 5 à 6 milliards d'euros par an, n'est pas un crédit d'impôt recherche qui a été inventé pour la recherche sur le vaccin. C'est un crédit d'impôt recherche qui est fondamental, qui permet aux entreprises françaises de gagner en compétitivité et de financer leur recherche et leur développement. Mais pour revenir à la question, donc, est-ce que l'État doit continuer à financer quand il n'y a pas de résultat? Mais vous parlez des vaccins ou de la recherche en général? Des vaccins. Mais la campagne de vaccination, je le répète, n'est pas financée par le crédit d'impôt recherche. Non, on parle des recherches de Sanofi et Pasteur. Mais je vous dis la même chose. Même les aides publiques de l'État, lorsque l'on voit quand même ce retard de ce laboratoire français qui a beaucoup été aidé par l'État, ça interpelle. Alors, parce que cet argent est bien utilisé. Agnès Pannier-Runacher a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises sur cette question de la production de vaccins. Elle rappelait encore aujourd'hui que Sanofi avait accepté de libérer des capacités de production pour justement permettre la production d'autres types de vaccins et ainsi pallier un certain nombre de difficultés. Nous sommes quand même dans une situation... Parce qu'ils n'ont pas avancé sur leur recherche aussi. J'ai peut-être fini la phrase. Nous sommes dans une situation où vous reprocheriez à des entreprises de prendre du retard et d'avoir des difficultés dans une recherche sur des vaccins en quelques mois, alors qu'habituellement, ça prend des années. Et à ce titre-là, vous voudriez remettre en cause toute la politique de financement de la recherche. Non, c'est une question qui est posée. En France, c'est une question qui est posée. Qui est une politique majeure qui nous permet de rester extrêmement compétitifs. Et ce crédit impôt recherche, j'ai eu l'occasion de le dire tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat pendant les débats parlementaires, c'est un outil de la compétitivité. Ne prenons pas prétexte d'un effet ou d'un point ou d'une difficulté sur un sujet qui serait la vaccination et la recherche d'un vaccin pour remettre en cause la totalité du soutien à la recherche et au développement Merci des entreprises en France. Merci Tam et Brigitte pour ce soir. Et rendez-vous lundi soir, bien évidemment. Vous étiez tout à l'heure, avant de venir sur notre plateau, en déplacement dans les Hautes-Alpes, au Dévoluy. Station de montagne, et vous avez rencontré des professionnels là-bas qui vont avoir certainement une saison blanche, sans jeu de mots, parce qu'il y a beaucoup de neige en ce moment. Vous avez annoncé des aides pour ces professionnels qui vont perdre de l'argent. Eux, ils estiment qu'une saison, ça rapporte entre 9 et 10 milliards de recettes. Est-ce que l'État va compenser à l'euro près? Non, parce que nous n'avons pas nécessairement les mêmes chiffrages. Par contre, nous mettons en place, nous mettons en place des aides massives. Et pour vous donner quelques exemples, la première période pendant laquelle nous avons fermé les remontées mécaniques qui correspondaient au début de la saison à la période de Noël, correspondait à un engagement de l'État en termes de prise en charge des coûts fixes pour les remontées mécaniques, d'indemnisation des salariés, non pas seulement des stations, mais des domaines skiables pour ne pas avoir d'effet de différence entre la station même et la vallée autour, sans compter le chômage partiel, c'est important, à 400 millions d'euros. Si nous sommes obligés de maintenir les remontées mécaniques fermées pour 6 mois, nous estimons que le coût pour l'État, hors chômage partiel, pourrait être entre 1 et 1,2 milliard d'euros. Rien à voir avec les 9 à 10 milliards. Non, mais auquel il faut ajouter le chômage partiel, qui est un élément extrêmement important. Et évidemment, lorsqu'il y a un arrêt d'activité, il y a des pertes d'activité pour de très nombreux secteurs. Et c'est dramatique pour des territoires comme les Hautes-Alpes où j'étais. Nous aurons l'occasion, évidemment, aussi... Mais sur le chômage partiel, ça ferait vraiment augmenter la note beaucoup ? Cela fait évidemment augmenter la note. Plus que les 1,5 milliard. Je n'ai pas le détail pour le domaine skiable, mais je disais tout à l'heure qu'en 2020, l'État a engagé, avec l'UNEDIC, 23 milliards d'euros en matière de chômage partiel, dont 18 financés par l'État et le reste financé par l'UNEDIC, alors que dans le même temps, le fonds de solidarité a représenté 12,8 milliards d'euros. Cela montre à quel point l'effet et le coût pour la collectivité, la collectivité publique au sens large de l'activité partielle est important, mais déjà, c'est assumé puisque nous sommes le pays
qui protège le mieux. Mais déjà, les pertes d'exploitation. Le mieux les rémunérations. Les pertes d'exploitation hors chômage partiel, 1,5 milliard, ça, l'État les prendra en charge. C'est entre 1 et 1,5 milliard. Et ça, l'État les prendra en charge. À hauteur de 6 mois. Et nous avons d'ores et déjà annoncé, je vais être très précis, que pour les remontées mécaniques, nous prendrions en charge 70% des coûts fixes. Et qu'il y aurait par ailleurs l'éligibilité au chômage partiel pour les régies, qu'elles soient publiques ou privées, d'accord, de remontées mécaniques, de la même manière que nous avons annoncé, et c'est voté dans la loi de finances, le fait que les communes touristiques ne pourront pas percevoir en 2021, en matière de taxes de séjour, moins que ce qu'elles percevaient en 2019. C'est aussi un vrai filet de sécurité. Donc ce sera compensé, ça aussi. C'est un mécanisme de garantie qui avait été voté pour 2020 et que nous avons élargi à 2021. Et on accueille maintenant Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint du Figaro. Bonsoir Yves. Bonsoir Francis, bonsoir Monsieur le Ministre, bonsoir Olivier Dussopt. Alors on va faire un peu de politique, puisque c'est quand même aussi eh bien, le débat. Il y a un an, vous venez du Parti Socialiste, et il y a un an, vous avez créé avec Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui vient lui aussi du Parti Socialiste, une espèce de formation qui s'appelle « Territoire de progrès ». C'est cela. Vous aviez la volonté d'incarner un peu la gauche au sein de ce gouvernement et de la majorité présidentielle. Où en êtes-vous ? Il manque de gauche dans ce gouvernement ? C'est, pour revenir à Territoire de progrès, c'est une affaire qui marche. C'est une affaire qui marche, puisqu'effectivement, avec plusieurs amis, dont Jean-Yves Le Drian, nous avons pensé utile qu'une formation soit créée pour accueillir des hommes et des femmes de gauche qui souhaitent la réussite du quinquennat et qui souhaitent la réussite d'Emmanuel Macron. Parce que le quinquennat d'Emmanuel Macron penchait trop à droite jusqu'à présent. C'était un diagnostic que nous ne partageons pas. Nous ne le partageons pas parce que, vous l'avez dit, je viens de la gauche, je suis de gauche et j'ai ces convictions qui m'animent tout en trouvant parfaitement ma place dans la majorité présidentielle. Mais c'est aussi au cours de ce quinquennat. Et sans attendre quelque volonté de rééquilibrage que ce soit, nous considérons que ce diagnostic n'est pas posé et n'a pas à être posé. Que nous avons fait le dédoublement des classes. Est-ce que vous refusez de le poser ou... Non, nous constatons ce que nous avons fait. Nous avons mis en place le dédoublement des classes en CP et en CE1. Mmh. Nous sommes le gouvernement qui a le plus augmenté un certain nombre de minima sociaux. Je pense à ce qu'on appelait le minimum vieillesse, qui est une allocation spécifique de solidarité. Je pense à l'allocation pour les adultes handicapés. Nous sommes aussi le gouvernement qui a mis en place deux réformes absolument majeures, dont je me souviens pertinemment qu'elles animaient ma famille politique, c'est-à-dire la gauche, depuis des années et des années. La création de la cinquième branche pour la prise en charge de la dépendance et de l'autonomie. C'est pas encore complètement fait. Hein. C'est voté, la loi organique est votée, ouais. Et la loi de finances de la sécurité sociale pour 2021 a tracé le périmètre. Vous êtes en train de me dire que vous faites mieux que le gouvernement de M. Hollande. Autre réforme, encore peut-être encore plus importante à mes yeux. Le fait que nous puissions aujourd'hui, que les Français puissent aujourd'hui avoir accès à des prothèses dentaires, des prothèses auditives et des lunettes sans reste à charge. Moi, j'ai en tête, il se trouve que j'ai grandi dans une famille ouvrière qui n'avait pas, avec des parents qui n'avaient pas d'argent, ça fait partie de la vie, et ça n'a pas empêché ma mère d'être absolument formidable à mes côtés. Mais j'ai en tête qu'un de ses principaux soucis était de faire face à des frais dentaires, à des frais de prothèse, ou à des frais... Mais vous êtes en train de me dire que vous, finalement, le gouvernement et le pouvoir de M. Macron très fier de ce qu'on fait. Fait presque mieux pour ce qui est de la gauche que François Hollande, alors. Sur un certain nombre de sujets, c'est le cas. C'est le cas. Alors... peut-être que vous avez raison, justement, de creuser le sillon de cette gauche du gouvernement. Quand on regarde les sondages, finalement, on s'aperçoit que les candidats potentiels à l'élection présidentielle à venir en 2022, que ce soit Mme Hidalgo, que ce soit M. Montebourg, qui ne sont pas candidats déclarés, hein, eh bien, finalement, sont dans des étiages qui sont vraiment très très bas, derrière Nicolas Dupont-Aignan, très loin derrière la droite, et très très loin derrière Macron et Mme Le Pen. Est-ce à dire que, justement, eh bien, l'électorat de gauche, qui avait voté pour M. Macron, bien finalement est resté la lumière d'Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'on entend depuis pas mal de mois. Je crois qu'il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'effectivement, les progressistes, les sociodémocrates, les hommes et les femmes de gauche dans ce pays, qu'ils soient de gauche, du centre-gauche, d'une partie de l'écologie, se retrouvent dans ce que le gouvernement et le président de la République mettent en œuvre. Et peut-être qu'un certain nombre d'analyses qui expliquaient, il y a quelques mois de cela, que toute une frange de l'électorat aurait quitté le président de la République et son gouvernement n'étaient pas aussi fondés que cela. J'ai en tête, là aussi, quelques études, indépendamment du sondage que vous avez rappelé, qui montrent qu'Emmanuel Macron reste une figure marquante, attachante, pour une partie de l'électorat de gauche, une partie non négligeable. J'ai même en tête une étude sortie avant Noël qui rappelait que pour beaucoup des sympathisants de la gauche du gouvernement,
Emmanuel Macron restait le meilleur candidat que la gauche puisse avoir. Peut-être qu'on a oublié qu'Emmanuel Macron était ministre de François Hollande. Quand on a un ministre de l'économie qui s'appelle Bruno Le Maire et qui était candidat pour représenter la droite en 2017. Il faut revenir à ce qu'Emmanuel Macron a mis en place. C'est-à-dire le dépassement. Le dépassement et la capacité à rassembler... Donc vous vous dépassez autour, tous en tout. Autour en fait. De son programme. Mais se dépasser, ça ne peut pas se renier. Se dépasser, c'est accepter de se retrouver, de se retrousser les manches et de mettre en œuvre un projet sur lequel nous nous retrouvons et dont nous considérons qu'il est le meilleur pour la France. Olivier Dussopt, les élections, comme l'ont dit mes consoeurs tout à l'heure, l'élection présidentielle approche, 14 mois. Sur quoi va se jouer cette élection? Alors, il y a évidemment la pandémie, avec cette crise sanitaire qui plombe, je dirais, l'ambiance. Vous avez les questions de sécurité et on voit que le gouvernement, avec M. Darmanin, eh bien, multiplie les initiatives, le Beauvau de la sécurité, la loi sécurité globale, le projet de loi sur le séparatisme qui va venir bientôt. On sent que là, il y a une ébullition sur le front régalien. Et puis, il y a l'écologie aussi. Et puis, eh bien, évidemment, il y a l'économie qui est étroitement liée d'ailleurs à la politique sanitaire. Sur quoi ça va se jouer? Il y a aussi la question de l'égalité des chances, il y a la question du refus de l'assignation à résidence. Ça, c'est l'homme de gauche de la République qui l'a rappelé lors du séminaire du gouvernement. La seule énumération des sujets que vous avez évoqués montre à quel point un projet présidentiel et une campagne présidentielle ont vocation à être complexe. J'ai la certitude, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas, j'ai la certitude que Emmanuel Macron jouit de son bilan. Son bilan du fait qu'il a mis en œuvre ce qu'il avait dit qu'il ferait. On peut être réélu sur un bilan. Ça ne suffit pas, mais quand le bilan est mauvais, on a plus de mal à être réélu. Et donc, il a ce bilan, il a fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Il a mis en œuvre les engagements qu'il avait pris. Il fait face à la pandémie. Et par ailleurs, il a cette volonté, et il l'a répété à plusieurs reprises, de continuer à la fois à libérer, à rendre plus fluide, à rendre plus agile et donc à moderniser le pays, tout en protégeant et tout en garantissant l'égalité. Le thème de l'assignation, du refus de l'assignation à résidence est pour moi tout à fait majeur. Alors, avant l'élection présidentielle, il y a une élection, il y a des élections régionales, normalement, puisque en principe, si le Covid ne l'empêche pas, elles auront lieu au mois de juin. Beaucoup de ministres étaient plus ou moins candidats à cette élection et ils se retirent les uns les autres, comme M. Blanquer en Ile-de-France. Est-ce que vous, ministre chargé des comptes publics, vous pourriez être candidat dans votre région d'élection, j'ai envie de dire, Bourgogne... Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un peu plus au sud. Face à Laurent Wauquiez. Rhône-Alpes-Auvergne. Chez Laurent Wauquiez. J'ai eu l'occasion de répondre à cette question. Chaque chose en son temps, et aujourd'hui, la seule chose qui me préoccupe, la seule chose qui m'anime, c'est d'être à la hauteur des responsabilités qui sont les miennes pour les comptes publics. On l'a évoqué précédemment de manière assez précise sur les enjeux que nous devons relever. Ce qui est certain, c'est que nous sommes plusieurs à participer de manière collective à la fois à la création, à l'élaboration d'une équipe, mais aussi d'un projet, pour proposer une alternative aux Auvergnats et aux Rhône-Alpes. Non, mais juste en deux secondes, vous ne serez pas candidat au régional. Il y a un certain nombre de sujets qui méritent qu'on y passe plus de temps que sur les questions de politique. Mais vous serez candidat ou pas? Ce n'est pas mon objectif aujourd'hui, mais je participerai à cette bataille aux côtés des membres de la majorité dans cette région. Par contre, un point, parce que j'attache plus d'importance aux questions de fond qu'aux questions de casting. Ouais. Lorsqu'on connaît la crise que l'on connaît, lorsqu'on voit l'économie se transformer à la vitesse à laquelle elle se transforme, le fait d'être en charge de la formation professionnelle et continue et d'avoir fait les principales économies sur le budget de la formation professionnelle et continue est une erreur. Et c'est par exemple sur ce point-là que la région Auvergne-Rhône-Alpes doit changer de braquet, doit changer d'orientation et qu'il faut lui donner une nouvelle priorité pour qu'elle accompagne véritablement les habitants. La campagne est quand même lancée. Merci Yves. Merci à vous. On va accueillir les parlementaires tout à l'heure qui vont arriver. Elsa Faucillon en particulier qui est déjà là. Vincent Delahaye qui est sénateur va nous rejoindre tout à l'heure. Mais Elsa Faucillon nous rejoindra tout à l'heure en premier. Avant cela, je voudrais vous parler de la proposition qu'a faite aujourd'hui Stanislas Guérini. C'est le numéro 1 de La République En Marche, le parti présidentiel. Il propose la création d'un prêt à taux zéro pour les 18-25 ans, qui serait remboursable sur 30 ans. Vous dites banco? Je dis pourquoi pas, et je dis que c'est très cohérent avec le rôle de La République En Marche. Qui est de porter des idées, parce que je n'ai pas l'habitude de prendre des décisions à la porte. Pourquoi? Il faut d'abord voir si c'est finançable. Il faut voir comment les choses sont faites. J'ai lu les propositions qui sont portées. Mais c'est très cohérent avec le rôle de La République En Marche en termes d'idées, de porter des idées. C'est aussi très cohérent avec ce refus d'assignation à résidence. Mais est-ce que c'est réalisable financièrement? C'est ça la question. Je pense que ça l'est aujourd'hui. Parce que là vous êtes ministre des comptes publics, c'est vous qui allez déclencher l'argent. Il y a de très nombreux étudiants qui aujourd'hui ont besoin.
on peut le regretter, mais qui ont besoin. Vous l'avez financé, vous l'avez évalué. Je pense qu'il est mieux de pouvoir faire un prêt à taux zéro que de s'endetter avec un taux qui soit trop élevé. Est-ce que vous avez évalué combien ça pourrait coûter? Pas encore, donc c'est la raison pour laquelle je suis prudent. L'inverse serait... Et vous étudierez la proposition? Bien évidemment. Nous allons maintenant accueillir donc les parlementaires qui vont débattre avec vous, Olivier Dussopt. Alors quand je dis les parlementaires, pour l'instant il n'y a qu'une parlementaire qui nous a rejoint sur ce plateau, Elsa Vossillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée PCF des Hauts-de-Seine, et normalement il doit y avoir Vincent Delahaye, qui est sénateur UDI de l'Essonne, mais on me dit qu'il est pour l'instant retenu au Sénat, donc on va essayer de l'avoir tout à l'heure à distance. Mais puisque vous êtes là, Elsa Vossillon, il n'y a pas de raison de vous, que vous soyez pénalisée par l'absence du sénateur. Au contraire, bien d'accord. On va avoir plus de temps. Ben, ou pas, on verra, parce que peut-être que Vincent Delahaye va nous rejoindre. Et vous voulez parler d'abord de la vaccination. Oui, c'est un sujet qui préoccupe tout le monde, qui crée de l'espoir, monsieur le ministre, évidemment, pour beaucoup de monde dans la population. Mais certainement, aurez-vous remarqué qu'elle crée aussi de la colère, cette vaccination. Je pense que ça prend racine, pour une part, dans la colère qui s'est exprimée assez tôt sur la gestion des masques, des tests, sur les incohérences, voire parfois l'opacité. Et on continue avec des déclarations qui... ne font pas que frôler l'incohérence. On ne sait plus quel ministre il faut écouter, si c'est Olivier Véran de TF1 ou Olivier Véran du Sénat, sur le délai dans lequel l'ensemble de la population pourrait être vaccinée. En tout cas, cette colère, elle existe, et je crois que le gouvernement peut pas osciller entre le quart d'heure d'autosatisfaction, c'est-à-dire nous faisons mieux que les autres pays, ou l'accusation vis-à-vis des élus locaux qui, sur le manque de doses de vaccins, feraient, eux, de la politique politicienne. Je crois que c'est pas raisonnable. Je sais pas si vous avez entendu hier l'acteur Nils Arestrup sur le plateau de France 2. Il disait les gens, ce sont pas des procureurs, ce sont des victimes. Des victimes de la pandémie, des victimes de la crise sociale. Moi, je viens d'une circonscription faite de territoires populaires, d'habitants, de salariés qui essayent de vivre de leur travail, et c'est parfois difficile. Ils sont durement touchés par la pandémie, plus durement encore que d'autres, à la fois parce que, eh bien, il y a des causes de comorbidité plus importantes. Il y a aussi le fait qu'ils sont au travail et en contact plus que les autres. Et pourtant, dans ma circonscription, il n'y a pas de centre de vaccination. Alors vous me direz, il y en aura peut-être quand les doses arriveront. On ne va pas les ouvrir s'il n'y a pas de doses. Mais je m'interroge sur pourquoi, là où il y a un taux de mortalité plus important, c'est-à-dire où le virus circule plus, c'est-à-dire ces territoires populaires, pourquoi on ne priorise pas les centres de vaccination? Et je termine en disant que vraiment, nous avons le sentiment depuis déjà de nombreuses années d'être souvent des territoires oubliés. Oubliés du plan de relance, mais aussi oubliés de la vaccination. Bien. Souligner ce qui nous rassemble, ce qui est important dans une période comme celle que nous connaissons. Vous avez dit tout à l'heure, madame la députée, que la vaccination crée de l'espoir. Et c'est un espoir qui est partagé. Et je suis heureux de l'entendre parce que je pense que dans la période que nous vivons, une des responsabilités que nous avons, les uns et les autres, quel que soit notre avis sur la gestion de la crise ou sur la politique en général, c'est d'accompagner, de convaincre et de faire en sorte que cette vaccination, au-delà même de l'organisation de la campagne, soit un succès. Ensuite, vous avez évoqué deux sujets. D'abord, vous parliez de colère ou d'incompréhension. Je pense que face à cela, face à une forme d'impatience parfois, qui est très légitime, il faut aussi rappeler ce qui a été dit et les engagements qui ont été pris. Et je viendrai ensuite sur la question des doses de vaccins. Lorsque le Premier ministre est devenu devant l'Assemblée le 16 décembre dernier, puis au Sénat le lendemain, il avait indiqué un objectif très facile à mémoriser, quantifiable. Il avait dit il faut que nous puissions atteindre, fin janvier, 1 million de personnes vaccinées. Hier, dimanche, nous étions à un peu plus d'un million, 1 060 000 ou 1 070 000. Je n'ai pas les chiffres de vaccination d'aujourd'hui, mais j'imagine que ça a progressé et j'espère que ça a progressé dans les mêmes montants et les mêmes volumes que la semaine dernière. C'est-à-dire que l'objectif initial est atteint. Est-ce que ça suffit à répondre à l'impatience? J'entends que non. Parce que, et c'est plutôt bon signe sur l'adhésion de la population, cet espoir que vous rappeliez donne envie, mais le terme est mal choisi, d'être vacciné. Ensuite, il y a la question des doses. Il y a la question des doses, et ma collègue Agnès Pannier-Runacher s'exprime régulièrement sur le sujet. Il y a une démarche qui a été faite et qui, je crois, est extrêmement salutaire. C'est la commande européenne.
qui permet aux pays européens de disposer de réservations et sur ces réservations d'avoir une répartition au prorata de la population pour les pays qui sont inscrits dans la commande commune. Là où il y a, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais en tout cas l'origine de l'impatience, c'est que les capacités de production de ceux qui produisent les vaccins sont aujourd'hui à 150 ou 200%. Et que nous ne pouvons pas avoir plus de vaccins que ce qui est produit. Ce qui explique la longueur et ce qui explique aussi que des publics soient priorisés. Après, sur la question de l'organisation des centres de vaccins, il y a entre 6 et 7, parfois 8 centres de vaccins par département. Je dois bien avouer que je ne connais pas, et ça n'est ni ma responsabilité, et ça serait étonnant que ce soit le cas, je ne connais pas exactement la répartition des centres de vaccination dans les Hauts-de-Seine. Je connais la répartition. Ils sont plutôt à Levallois et Neuilly qu'à Gennevilliers ou Villeneuve-la-Garenne, par exemple. Je connais la répartition dans des départements comme le mien, parce que vous évoquez les territoires qui sont oubliés. Ça nous fait justement, Elsa Foussillon vous parle de chez elle. Elle dit c'est plutôt, vous disiez Neuilly, Levallois, Garches, Sceaux. Que Gennevilliers. Et quand je dis ça, c'est pas simplement... Cette espèce d'écart, évidemment, sur plein d'aspects, il rentre en concurrence, c'est-à-dire des territoires riches contre des territoires où parfois la République est trop absente dans son apport, dans son effectivité. Là, la question, c'est qu'elle peut être aussi tout à fait rationnelle. Et les maires, quand ils demandent ces centres de vaccination, il y a de la rationalité. D'abord parce que le virus circule plus. Parce que des gens ont plus de symptômes, ont plus de causes de comorbidité, parce qu'ils sont caissiers, caissières, infirmiers, infirmières, parce qu'ils sont livreurs à vélo. Donc évidemment, ce sont des boulots où la transmission est plus rapide. Donc c'est aussi des gens dont on sait, pour les plus modestes, que la proximité du centre de vaccination est un atout pour qu'ils se fassent vacciner, en tout cas pour les plus vulnérables, évidemment, et aussi pour les plus de 75 ans. Donc, si vous voulez, ma question, elle s'étend aussi au fait que, après un plan de relance qui a des gros trous dans la raquette quand il s'agit des quartiers populaires, et au regard de la priorisation, non pas de territoires populaires, mais plutôt de territoires aisés, qui doivent aussi se faire vacciner, on s'entend. Mais en tout cas, en termes de priorisation, voilà, je crois qu'il n'y a pas simplement des signaux, mais une République qui doit affirmer dans les droits aussi une attention vers celles et ceux qui sont le plus soumis est-ce que c'est une question de moyens, à la circulation du virus. Ce n'est pas une question de moyens. Il y a un partenariat entre l'État et les collectivités pour la mise en place des centres de vaccination. Et il y a la question des doses, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et il y a, et c'est exprimé par Madame la députée, des nécessités en termes de mobilité, en tout cas d'accompagnement des mobilités. Je vous disais, sans vouloir vous couper, qu'il y avait un certain nombre de choses que je pouvais partager, y compris en étant élu d'un territoire beaucoup plus rural, c'est-à-dire l'Ardèche. Les questions de mobilité, nous les retrouvons. Les questions de difficultés, notamment de déserts médicaux ou de désertification médicale, pour être encore plus précis, nous pouvons les partager entre des zones urbaines défavorisées et des zones rurales qui ne sont pas favorisées, contrairement à ce qu'on imagine, avec souvent des habitants qui rencontrent des difficultés dans un contexte qui est très différent. Je pense, et c'est un espoir aussi que j'ai, que plus nous aurons de doses disponibles, plus nous pourrons avoir de centres de vaccination pour justement pouvoir vacciner tout le monde. Je le répète, la situation, l'organisation des centres de vaccination dans votre département, je ne la connais pas, je n'ai pas à en connaître dans mes responsabilités et il aurait été malvenu de m'y intéresser que parce que nous nous retrouvions sur un plateau ce soir. J'entends ce que vous me dites et je le répète à nouveau. Nous avons des objectifs en termes de volume, le terme est mal choisi, on parle d'être humain, mais de quantité et de nombre de personnes vaccinées. Ces objectifs aujourd'hui sont atteints. Et c'est à souligner parce qu'on a parfois tendance à s'autoflageller, quels que soient nos avis politiques. Et non, l'objectif maintenant, c'est celui, est-ce qu'on croit le professeur Delfraissy ou est-ce qu'on croit Olivier Véran ? Le professeur Delfraissy, hier soir, dit on sera plutôt à 40% en été. Et le ministre de la Santé dit l'ensemble de la population à la fin de l'été. Et donc, je me doute bien que c'est moins votre sujet que celui du ministre de la Santé. Je peux vous parler santé. Du coût de la campagne de vaccination, ça me sera mais plus comme, simple. Mais comme, vous mais comme membre du gouvernement, je me doute que c'est un sujet aussi qui vous préoccupe au quotidien, même si c'est moins en spécialiste que le ministre Véran. Mais ça coûte combien cette campagne de vaccination, justement, puisque cela nous préoccupe tous, évidemment, et nous souhaitons que ça aille le plus vite possible. Le coût, sanitaire, en tout cas le coût financier des aspects sanitaires de la crise, nous savons l'évaluer, ce sont des chiffres qui sont importants. L'année dernière, nous avons augmenté le budget de la sécurité sociale et donc du système de santé de 20 milliards d'euros au cours de l'année par rapport à ce qui était voté. Et sur ces 20 milliards d'euros, nous avons, par exemple, 2,8 milliards d'euros qui ont été consacrés aux tests. Et d'abord parce que nous avons beaucoup testé, il a été organisé
plus de 36 millions de tests, j'allais dire 36 millions de personnes, mais les mêmes personnes ont pu tester plusieurs fois. Plusieurs fois, je peux témoigner. Donc 36 millions de tests ont été faits, et surtout nous avons une particularité par rapport à beaucoup d'autres pays, c'est que les tests sont gratuits. Concernant la vaccination, nous avons inscrit dans la loi de finances pour la sécurité sociale, telle qu'elle a été proposée au Parlement, une provision d'1,5 milliard. Mais ce ne sera pas assez. Ça ne sera pas assez. Il est important d'avoir en tête que lorsqu'on a inscrit cette provision d'1,5 milliard, nous étions à une époque, il y a quelques semaines, où nous ne connaissions pas la date d'arrivée des premiers vaccins, ni les conditions dans lesquelles ils allaient pouvoir être dispensés. Nous répondrons présent. Évidemment, il n'y a pas de meilleur investissement que la vaccination pour la santé des Français, pour l'économie, pour sortir de la crise. Et nous estimons que le coût pourrait atteindre 3 milliards d'euros. Tout ça, ça crée de la dette. On en a parlé tout à l'heure. Et justement, vous voulez revenir là-dessus. Parce que vous avez écouté le ministre des Comptes publics. Et alors, effectivement, vous faites peut-être le même constat, mais c'est sur les solutions. Enfin bref, vous n'avez pas forcément été convaincu par ce qu'il a dit là-dessus. J'ai lu il y a quelques jours que vous disiez de l'année 2021 qu'elle devrait être la fin du quoi qu'il en coûte. En même temps que la fin de l'épidémie, oui. En même temps que la fin de l'épidémie. Vous avez repris cette formule qui est celle d'Emmanuel Macron au début de la pandémie en disant que le gouvernement, l'État serait présent quoi qu'il en coûte. Je dois vous avouer, je vais vous dire comment je l'ai pris ce quoi qu'il en coûte et vous me direz comment vous l'entendez. Moi, ce quoi qu'il en coûte, je l'ai un peu entendu comme la sonnerie de la fin de la récré. Comme si, quelque part, tout le monde s'était gavé pendant cette crise d'argent public. Ce qui n'est pas le cas, évidemment. On s'en fout. D'autant que, je dirais que même avec les mesures d'accompagnement, de chômage partiel, d'autres mesures, on parle de trous dans la raquette. J'aime pas bien cette expression parce qu'en réalité, ce sont des gens, parfois des drames humains, des gens qui arrivent en fin de droit. Par exemple, et je pense par exemple aux intermittents de l'emploi qui attendent toujours des mesures effectives de la part du gouvernement. Je pense aux personnes qu'il va falloir continuer d'accompagner. On annonce plus de 763 plans de licenciement depuis mars, donc il y a des personnes qui vont se retrouver au chômage, en plan de licenciement, peut-être après en fin de droit. Donc il y a des mesures d'accompagnement importantes qui vont avoir lieu. Donc vous avez lancé une mission, un groupe de travail sur la trajectoire des finances publiques avec à sa tête Jean Arthuis. On a également Laurence Parisot, Augustin de Romanet. Marisol Touraine. Marisol Touraine, bon. Je vous avoue qu'en voyant la liste, quand je vois Laurence Parisot, qui est bien connue pour plein d'aspects, mais aussi pour cette phrase « L'amour et la vie sont précaires, pourquoi pas le travail ?» Augustin de Romanet, qui a été placé à la tête d'Aéroports de Paris pour gérer la privatisation d'ADP. Des gens qui, généralement, en tout cas, s'expriment pour dire qu'il faut travailler plus longtemps, que l'assurance chômage doit conduire. Vous voulez dire que dans la composition de la liste, vous voyez déjà les conclusions, quoi. Mais je ne vois pas beaucoup de surprises. Je ne m'attends pas à beaucoup de surprises. Et surtout, je vois des personnes qui sont plutôt en accompagnement des réformes que vous vouliez mettre en place, celle des retraites, celle de l'assurance chômage. Et donc, une question pour arriver au bout, c'est qui va payer la crise? Et moi, mon sentiment au travers de tout ce qui est énoncé là, c'est-à-dire la fin du quoi qu'il en coûte, les personnes qui dirigent cette trajectoire, mais aussi les mesures du gouvernement, son plan de relance, c'est que se reproduise le scénario de 2008. Un scénario où ceux qui payent la crise, ce sont les classes populaires, les classes moyennes, les salariés de ce pays qui n'étaient absolument pas responsables de la crise de 2008, qui sont toujours pas responsables de cette crise, qui en sont victimes dans les deux cas, et que donc ce soit de nouveau eux, avec ces réformes, qui payent la crise et qui payent la dette. Je ne partage pas l'appréciation et je vais essayer de dire pourquoi. D'abord, sur la composition de la commission, il y a aussi des économistes, y compris étrangers, renommés, qui ont accompagné des gouvernements dans des périodes extrêmement difficiles. Et nous attendons de la Commission qu'elle puisse nous aider, à la fois en termes de constat, mais aussi de trajectoire, pour revenir à ce que j'appelle un niveau plus soutenable. Dire que nous devons sortir du quoi qu'il en coûte, en même temps que nous sortons de la crise, a du sens, a le sens que je souhaite expliciter en quelques mots. D'abord, ça n'est pas, je le disais tout à l'heure, un arrêt brutal des dispositifs, ça serait totalement suicidaire, incompréhensible. C'est de dire que les dispositifs que nous avons mis en œuvre, qui représentent plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, ne peuvent pas perdurer au-delà de la pandémie. Et qu'il faut aussi penser la suite pour revenir à un niveau de dépenses publiques qui soit soutenable et qui nous permette de garder la confiance des marchés, puisque nous empruntons et nous avons toujours eu besoin d'emprunter, ça n'est pas nouveau avec cette crise, dans des conditions extrêmement favorables. Nous devons, et c'est ce que nous attendons de la Commission, avoir un chemin de redressement des comptes publics, de retour à un niveau plus soutenable de dépenses, qui soit progressif. La dette qui s'est accumulée à l'occasion de la crise Covid et qui vient s'ajouter à une dette déjà extrêmement importante devra être remboursée dans le temps, devra être remboursée peut-être différemment. Ça fait l'objet des discussions de la Commission. Qui doit payer? Il faut faire en sorte que ce soit la croissance qui nous permette de répondre. Pas de hausse d'impôts. Vous évoquez 2008-2009.
Il y a deux grandes différences. La première, c'est que l'activité partielle, qui est la meilleure arme de protection de l'emploi, du pouvoir d'achat et des salaires, a été portée à un niveau qui était extrêmement... Oui, mais ce que je vous interromps quand même. Et il y a eu un choc fiscal. Parce que ce que Elsa Faucillon disait tout à l'heure, c'est qu'elle a l'impression, Elsa Faucillon, que ce sont les plus modestes qui vont payer la dette. Ça n'est évidemment pas l'objectif, ça serait incompréhensible. Et tout à l'heure, je disais que notre gouvernement aura, d'ici fin 2021, baissé les impôts pour les ménages de 23 milliards d'euros en concentrant l'effort sur les deux premières tranches d'imposition et sur les 80% de Français qui ne payent plus la taxe d'habitation. Donc vous allez abandonner la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage. Nous avons déjà dit que la réforme des retraites était d'autant plus importante quand elle sera possible pour mettre fin aux discriminations dont souffrent ceux qui ont des carrières hachées. Et je pense que sur ce type d'objectif, d'éviter les dégâts des polypensionnés, d'éviter les dégâts de la précarité, nous pouvons aussi nous retrouver au-delà de... Alors justement, juste... Et pour la réforme de l'assurance chômage, c'est aussi Olivier Dussopt, dans une période plus propice à l'emploi que nous pourrons la remettre en œuvre. Vincent Delahaye, bonsoir. Vous êtes avec nous en duplex. Merci de vous être connecté. Bonsoir. Je rappelle donc que vous êtes sénateur LR de l'Essonne, vice-président du Sénat. Ben, on va poursuivre sur les retraites, si vous voulez bien. Parce que ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Excusez-moi. Vous êtes sénateur UDI, pardon. UDI, excusez-moi, je viens de corriger. UDI de l'Essonne. Mais il y a beaucoup de ça se bouscule beaucoup là ce soir. Il y a beaucoup de petites choses à régler. Donc sénateur UDI de l'Essonne, vice-président du Sénat, ça c'est vrai. Donc vous allez continuer sur les retraites. Bah écoutez, non, mais moi je voulais savoir effectivement ce que le gouvernement et ce que Monsieur Dussopt, que je salue, Monsieur le Ministre, souhaitait faire, comptait faire d'ici la fin du quinquennat pour commencer à éponger. Le quoi qu'il en a coûté, puisque ça nous a coûté très très cher, cette crise sanitaire, et surtout la gestion de la crise sanitaire, qui a été celle du gouvernement. Et donc j'aimerais savoir ce qu'il comptait faire, et est-ce qu'il comptait quand même engager des réformes structurelles d'ici la fin du quinquennat, ou est-ce que c'est une période dans laquelle on va laisser aller les déficits et les dépenses en attendant de pouvoir recommencer sur un septennat ou sur un quinquennat suivant. C'est clair, net et précis. D'abord, je salue le président de l'AE, que je retrouve souvent au Sénat. Sur les deux questions qui sont posées, d'abord, continuer à faire des réformes structurelles et comment est-ce que nous envisageons cette dernière partie du premier quinquennat, c'est quelque chose d'assez clair, ou en tout cas d'assez opérant. D'abord, des réformes structurelles, il y en a, autres que celle des retraites qui a été évoquée précédemment. Il y a des réformes qui permettent de moderniser l'administration, il y a des réformes qui permettent d'améliorer les systèmes de prestations comme les systèmes de recouvrement. Et il y a un certain nombre de sujets, nous aurons bientôt l'occasion d'avancer sur les questions de réforme de l'État, qui peuvent être menés. Et puis par ailleurs... Attendez, je vous interroge juste deux secondes, parce que M. Delahaye vous demandait qu'est-ce qui sera mené d'ici la fin du quinquennat. Et par ailleurs... Qu'est-ce qui sera mené d'ici la fin du quinquennat? J'ai déjà évoqué les questions de contemporanéisation, les questions de portail unique de recouvrement... Mais pas les retraites. Je vais y venir aux retraites. sur la première question posée par Vincent Delahaye, comment est-ce qu'on fait aussi d'ici la fin du quinquennat? On continue à faire extrêmement attention aux dépenses qui ne relèvent pas des mesures d'urgence ou des mesures de relance. Et c'est ce que nous avons fait en respectant les engagements pluriannuels et triennaux que nous avions pris sur les autres budgets, indépendamment des missions relance et des missions urgentes. Sur la question des retraites, le président de la République comme le Premier ministre l'ont dit, c'est une réforme qui est utile. Elle est utile parce que lorsqu'on apporte des solutions aux carrières hachées, à la question des polypensions, lorsqu'on envisage une revalorisation des petites retraites, cela relève d'une amélioration du système de retraite. Est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour remettre cette réforme à l'ordre du jour du Parlement? Évidemment non, nous sommes encore dans une crise pandémique et dans la gestion d'une crise économique. Donc ne perdons pas l'objectif de cette réforme. Adaptons son calendrier en fonction de la situation pandémique. Vous avez votre réponse. Et vous vouliez parler aussi de la campagne de vaccination. Elsa Faucillon, on a beaucoup parlé de chez elle. Et chez vous, vous avez aussi certainement une expérience vue de l'Essonne. Mais pas que. Alors, juste pour répondre à M. le ministre, c'est que les dépenses qui ont été engagées ne sont pas que des dépenses de soutien ou de relance, mais il y a eu d'autres dépenses. On a laissé filer pas mal de dépenses. Moi, je pense notamment, c'est peut-être un peu symptomatique, mais... 425 nouveaux postes pour les ARS en 2021, je ne suis pas persuadé que ce soit une priorité de renforcer l'administration de la santé qui a montré ses limites, alors qu'au contraire, il faudrait plutôt renforcer la partie soignante. En tout cas, sur la vaccination. La question que je voulais poser sur la vaccination, c'est que en 4 mois, entre septembre et décembre dernier, nous avions 4 mois pour organiser la vaccination. Visiblement, ça n'a pas été le cas. Début janvier, les centres logistiques, les centres de vaccination, le personnel nécessaire, le recensement des personnes prioritaires à vacciner n'étaient pas prêts. Rien n'était prêt.
Comment l'expliquez-vous, monsieur le ministre? Qui est responsable et y aura-t-il des sanctions? Je le disais tout à l'heure en réponse à madame la députée. Il y a, pour le mois de janvier, un objectif qui a été annoncé le 16 décembre. C'est de pouvoir vacciner 1 million de personnes. Hier soir, nous étions à 1 060 000 ou 1 070 000 et aujourd'hui, les chiffres ont évidemment dû progresser. Donc les objectifs sont atteints et nous devons continuer cette campagne de vaccination, à la fois en gardant l'ordre des publics prioritaires et en tenant compte de la capacité des industries pharmaceutiques à livrer à la France comme aux autres pays européens. Ce que vous voulez, c'est que ça aurait pu être préparé, les centres de vaccination. Lorsque Monsieur Delahaye, le sénateur Delahaye évoque le délai de 4 mois, il y a quelques semaines ou quelques mois encore, nous ne savions même pas à quelle date les autorisations de mise sur le marché et de mise en œuvre des vaccins seraient délivrées. Non, je pense que ce n'est pas une réponse. Ça n'empêche pas d'anticiper. J'irais, c'est anticipé. Et visiblement, ça n'a pas été fait. Donc, nous n'avons pas anticipé. Moi, j'aimerais savoir qui est responsable de ce manque d'anticipation et combien de doses disposerons-nous fin janvier, parce qu'on nous dit qu'on sera 1 400 000 de personnes vaccinées, mais est-ce que, moi j'avais eu 3 millions de doses pour fin janvier, alors peut-être qu'il y en aura un peu moins parce qu'il y a eu des problèmes de livraison, ce qu'on peut comprendre, mais combien y en aura-t-il? Moi j'aimerais avoir la transparence sur le nombre de doses reçues et le nombre de vaccins réalisés. Sur le nombre de doses, les engagements qui avaient été pris, notamment par le premier fournisseur de vaccins, étaient une livraison pour le mois de janvier de 500 000 doses par semaine pour la France. Avec depuis les problèmes industriels qui ont été rappelés. Et il y a un certain nombre de réservations qui sont faites et qui sont disponibles au rythme soit de l'autorisation d'utilisation, les autorisations sanitaires, soit des livraisons. Donc je ne sais pas d'où est issu le chiffre évoqué par Vincent Delahaye. Je dis ce qu'il en est aujourd'hui. Et avec un objectif, c'est que chaque dose disponible soit mobilisée et que nous ayons le plus grand nombre de personnes vaccinées. C'est la seule chose qui m'importe. J'entends le sénateur demander des responsables, demander des sanctions. Je ne suis pas dans ce registre-là. Ce que je souhaite, c'est qu'un maximum de personnes soient vaccinées et que nous puissions mettre fin à l'épidémie. Ainsi. Merci Vincent Delahaye d'avoir été avec nous en duplex. Merci Elsa Faucillon. Deux points de vue. Des réponses du ministre qui sont les mêmes, puisque vous restez évidemment sur votre ligne, oui. Mais deux points de vue différents, vous êtes un petit peu cerné, il faut bien le dire. On va faire un détour maintenant par le Figaro Live, où nous attend Vincent Roux. Bonsoir Vincent, qu'est-ce que vos lecteurs ont fait tourner sur le Figaro Live aujourd'hui? Alors, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il reste peu de temps et finalement toutes les questions ont été posées à Olivier Dussopt. Il y a une chose que les lecteurs du Figaro ont beaucoup lu, beaucoup apprécié en tous les cas, c'est le livre de Charles Prats, ce magistrat qui a révélé qu'il y avait 50 milliards d'euros de fraude sociale tous les ans en France. Est-ce qu'il n'y a pas là une source d'économie, une source de recouvrement précieuse pour l'État pour lutter contre les déficits? Réponse. Olivier Dussopt. D'abord, le chiffre de 50 milliards est plus que sujet à caution. Il y a des enquêtes qui ont été menées ou des études menées par la Cour des comptes, par les commissions du Sénat, par les commissions parlementaires, et beaucoup divergent sur le chiffre. Ce que je sais, c'est que les administrations de sécurité sociale mobilisent des moyens importants pour lutter contre la fraude. Fraude aux prestations, mais aussi fraude aux cotisations, car celles-ci sont souvent plus importantes en volume que les fraudes aux prestations. Les administrations, je pense à la CNAF, à la CPAM, ont augmenté le nombre d'équivalents temps plein consacrés à la lutte contre la fraude, développent aussi des procédés en ayant recours à l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, le nombre de cas de fraude détectés a été multiplié par 2 en 3 ou 4 ans, ce qui démontre la mobilisation de l'administration, indépendamment du chiffre que vous avez rappelé, qui, je le répète, n'est pas vérifié et est sujet à débat. Et que vous contestez de ce fait? Je pense que 50 milliards est un chiffre qui me paraît exagéré, mais comme les interprétations sont différentes et comme par nature la fraude est difficile à cerner, si nous savions à l'euro près quel est le montant de la fraude, nous la sanctionnerons et il n'y en aurait plus. Merci Vincent, merci Olivier Dussopt d'avoir participé à Audition Publique. Audition Publique qui revient lundi en direct à 19h30. Bonne soirée.